Ah bah il y a Nico. Thank you.
partie. Donc, catégorie super différente. 7 tours, 68 km 390. Voilà. Allez, nous applaudissons pour l'autre tête de la deuxième boule dont le grand podium il restera 5 tours. 5 tours. C'est Jean-Marc. Voilà, il me reste 5 tours. 5 tours. 38 secondes. Quatre coureurs qui sont sortis du peloton à un tour. Merci. Voilà, attention. Attention parce que nous allons assister à un sprint. Un nouveau sprint. Voilà, c'est parti. Allez, vos applaudissements du public. Pour celui qui va donc aller remporter. Super déclarant Olivier le vainqueur. Laurent Léger du comité Seine-Saint-Denis. Et Pascal Richer qui prend la deuxième place également de Paris-Hauts-de-Seine. Et celui qui viendra compléter le podium à la troisième place, Éric Méjonade, comité Paris-Hauts-de-Seine également. Ah. Allez, il n'y a pas de contestation. Allez. Allez, allez. C'est parti. Là, ça va rouler. Ce matin, 42 moyenne, donc ça commence à rouler, 42 moyenne. Là, je pense qu'ils vont faire plus. Allez, un coureur qui est donc sorti. C'est toujours le même. Ils sont derrière. Du comité SARP, donc Julien Gouvin, du comité SARP, donc qui est parti devant. Alors, voilà le bouton, très étiré, 15 secondes. Ce sont les bouton emmené par Colin Thomas. Catégorie senior. Allez, vous allez pouvoir les encourager avec public, avec vos applaudissements. Voilà, très bien. Alors, Alexandre Galtier, Jérôme Collinet et Benoît Cullier. Voilà les trois garçons en tête à la fin de ce quatrième tour avec un écart de 17 secondes sur la tête du peloton. Donc 17 secondes sur la tête du peloton.
pour ces trois garçons qui sont partis devant. Alexandre Galtier, le comité du Maine-et-Loire. Allez, on va prendre les gars. Et Carmine. C'est 4 tours. 4 tours de l'arrivée. Alexandre Roux. Avec Romain Carrière, Florian Caillot, Alexandre Roux. Non mais il n'était pas avec eux, il s'est trompé, il s'est trompé. La victoire de Jonathan Corcheron. Voilà, c'est Cédric Lehir qui finit 8e et qui a remporté le sprint du peloton le plus.